On est parti. Est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu es et quelle structure tu représentes ? Alors, moi c'est Tristan, donc ici on est sur le stand Retro Gaming par association MO5.com. Donc c'est une association qui fait dans la collection et la préservation de tout ce qui est patrimoine vidéoludique. Donc c'est console de jeux, jeux vidéo, informatique et micro-informatique. Et le but de l'association à terme ce serait d'ouvrir un musée du jeu vidéo et de l'informatique qui retracerait toute l'histoire depuis le milieu des années 1900 jusqu'à de nos jours quoi. Cette année à Japan Expo, est-ce que vous avez apporté quelque chose de particulier ? Alors on a la chance d'avoir un partenariat avec Square Enix, donc on a fait une rétrospective Tomb Raider. Vu que c'est bientôt la sortie du prochain Tomb Raider. Voilà, donc on a quasiment tous les opus de Tomb Raider qui sont sur ma gauche ici. On a le premier, le 2, Tomb Raider Legend, et puis ça va jusqu'au dernier qui sont derrière moi, Rise of Tomb Raider, etc. Le moins connu, le plus particulier des Tomb Raider. On a une version Game Boy donc, qui tourne sur une GameCube avec l'adaptateur. C'est une version qui est pas très connue parce que en fait c'est une adaptation du premier ou deuxième, je sais plus exactement lequel. Il a pas très très bien fonctionné, on va pas se mentir hein. Et nous on a eu la chance de mettre la main dessus, donc on s'est dit vas-y, pour rigoler un coup, on va le mettre, on va voir la réaction des gens. Non seulement dans les années 80 Nintendo c'est une entreprise japonaise qui a fait renaître le jeu vidéo. Donc il y a ça, mais on s'efforce aussi de faire découvrir des jeux japonais par exemple qui sont complètement inconnus de notre côté. Par exemple, on a une Sega Saturn là-bas avec Segata Sanshiro, qui est un jeu qui était plutôt bien connu et apprécié au Japon parce que c'est un symbole là-bas. Hein. C'était le personnage qui faisait la pub pour Sega, donc c'est quelqu'un de relativement connu. Mais pas en dehors du Japon en fait. On a aussi un Bomberman Saturn en version japonaise qui est jouable à 10 derrière. Et ça c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir parce que bon maintenant avec les Wii U, les Switch, on peut jouer à beaucoup, y a pas de problème. Mais à l'époque de la Saturn, c'était milieu des années 90, jouer à 10 sur une console de salon, c'était quand même pas très commun quoi. Donc et puis on a fait aussi un petit coin foot parce que bon c'est la Coupe du Monde alors voilà. Plutôt FIFA ou plutôt PES ? Ah complètement FIFA. Complètement FIFA. Alors j'ai commencé par le plus dur, le jeu vidéo préféré. Je dirais Final Fantasy VI. Parce que pour moi c'est le meilleur FF et c'est un jeu que j'ai découvert un peu sur le tard, mais pour moi c'est vraiment le meilleur et j'aime beaucoup les Final Fantasy en général, mais celui-là plus que les autres. Niveau manga, je dirais Relife. Parce que je suis retombé là-dessus il n'y a pas longtemps et je me suis refait toute la série de mangas et j'apprécie beaucoup. Et niveau animé, je dirais alors un animé qui est pas très connu qui s'appelle Aito Gensu no Grimgar. Et ça a un peu un rapport avec l'assaut parce que c'est plus ou moins dans un jeu vidéo, donc c'est voilà. Eh bien, on remercie infiniment l'association MO5. Il n'y a pas de souci, merci à vous.